Il est 6h30, je suis déjà dehors et vous devez probablement vous demander qu'est-ce que je prends dehors à cette heure. C'est simple, j'ai un entretien, mon premier entretien après le confinement. J'espère bien que ça va donner quelque chose. Mais d'ailleurs, peut-être c'est parce que je m'habille tout le temps comme ça quand je vais à mes entretiens qu'on me rappelle pas en fait. Oh putain. What's up YouTube? J'espère que vous allez tous bien. C'est juste une petite vidéo pour donner mon take en fait sur ce que je pense des entretiens et de la similitude avec les filles en fait. Et pourquoi est-ce que je dis ça en fait? C'est par rapport au stress. Et j'ai plein de potes qui lorsqu'ils vont passer des entretiens me disent qu'ils stressent ou qu'ils le préparent et tout. Et moi je comprends pas en fait cette idée de stresser pour un entretien. Quand je vais à un entretien, je ne stresse jamais, tout simplement parce que je me dis que si je le manque, j'aurai la possibilité de passer un autre entretien ailleurs pour avoir un autre job. Du coup, je me mets jamais la pression comme quoi il faut absolument que j'aie ce job-là. Et au final, quand on va parler à une fille, c'est à peu près pareil. Si on se met dans l'idée qu'on doit avoir cette fille, on va forcément stresser. Alors que si on a un mindset d'abondance et qu'on se dit, bah, si rien se passe, c'est pas grave. C'est sûr que si rien se passe, c'est pas grave. Du coup, on n'aura pas de trac, on ira la parler. Et c'est là, en fait, la similitude entre les entretiens et les filles. Et je pense que cette similitude doit apparaître dans plein de choses dans la vie. Pas seulement au niveau des entreprises ou des relations entre garçons et filles, mais dans plein d'autres choses. C'est pour ça, à chaque fois que je vais à mes entretiens, je me dis que ça se passe bien parce que je ne sens pas, en fait, que je ne sens pas le stress, en fait, que les autres pourraient ressentir ou que j'aurais pu ressentir dans une autre situation. À chaque fois, je suis super à l'aise pour m'exprimer, j'ai absolument aucun problème parce que limite, je m'en fous. Pas que je m'en fous du job en soi, mais je m'en fous de la situation, qu'ils me prennent ou pas, je m'en fous. Et il faudrait que j'arrive à adopter cette situation lorsque je vais parler à des filles, par exemple, tout simplement. La seule fois où j'ai vraiment stressé pendant un entretien, mais la seule fois, c'était à la fin de mon alternance avec mon entretien avec le lead data scientist de TF1. Et pourquoi est-ce que je stressais cette fois-là? Parce que j'avais pas envie de foirer l'entretien, parce que j'avais envie de rester chez TF1. Et c'est la seule fois où je bégayais, où je trouvais pas les mots, où j'étais complètement obnubilé par la présence du mec. Je savais absolument pas à quoi dire, alors que d'habitude, je gérais les entretiens. Mais cette seule fois-là, il me posait des questions et j'arrivais pas à répondre. C'était la première fois, je dirais pas qu'on me challenge vraiment, parce que d'habitude dans mes autres entretiens, on me challenge aussi. C'était la première fois que j'arrivais à rien. J'avais perdu tous mes moyens parce que je voulais faire parfaitement. Il faut pas. Il faut pas. Il faut challenger aussi le mec qui est en face. Faut pas avoir peur. Faut lui montrer qu'on est à son niveau. Qu'on n'a pas peur de parler avec lui, de travailler avec lui. Comme avec les filles. Exactement comme avec les filles. Vous savez ce qui est encore pire que d'arriver en retard à son entretien? C'est d'arriver trop tôt à son entretien. J'ai 30 minutes d'avance et c'est juste là. Mais je peux pas y aller juste parce que je suis arrivé trop tôt. Et du coup, je suis assis sur un banc comme un pecno et j'attends. Et il faut bien retenir que je dis pas d'aller aux entretiens en mode YOLO. Il faut quand même préparer, il faut savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir le poste pour lequel on va postuler, il faut savoir c'est quoi l'entreprise, il faut savoir ce qu'ils font. Mais il faut pas stresser en fait parce que ça sert à rien. Bien sûr, tu peux être dans une situation où tu es obligé de trouver un travail et bien sûr, là, ça va rajouter une pression. Mais bon, dans ma situation par exemple, ou dans le fait d'aller parler à une fille, il n'y a vraiment rien à perdre, il n'y a pas de raison de stresser. C'est pour ça que je dis que ça sert vraiment à rien de stresser, il faut juste y aller à l'aise. Bon, il reste 5 minutes pour commencer. Entretien terminé, on rentre à la maison. Comme je l'avais dit, il faut pas se prendre la tête, il faut juste y aller et ça se passe bien. Par contre, j'ai fait une erreur. Tous les entretiens que j'ai l'habitude de passer, je pense toujours à prendre mon carnet et à noter, sauf que là, je l'ai pas fait. Comme un con. Et justement, ce qu'ils me demandent de faire, c'est de leur faire un mail où je résume exactement tout ce qui s'est passé pendant l'entretien. Sauf que, bah, comme un con, j'ai pas noté. Et du coup, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je pense avoir retenu ce qu'ils ont dit, mais si j'avais noté, bah, j'aurais tout, mais j'ai pas noté. Pensez à prendre un carnet et à noter quand vous allez passer des entretiens. C'est très important. Toujours noter.
Anyway, je suis rentré chez moi, bientôt arrivé à la maison, et je vais m'arrêter là. C'était juste une petite vidéo pour faire un petit comparatif sur à quel point je trouvais est-ce que les entretiens et avec les filles ça se passait, ça se ressemblait, en tout cas de mon point de vue. Faut pas stresser, faut juste y aller zen et ça va forcément bien se passer. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et partagez-la. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Les salles de sport normalement sont pratiquement toutes en train de réouvrir et je vais probablement refaire une vidéo où je vais aller à la salle et recommencer avec mon programme de reprise parce que j'ai perdu au moins 14 kilos pendant le confinement. C'est énorme. J'ai des vergetures partout tellement j'ai perdu. Mais bon, on va reprendre tout ça. Et je vais probablement faire une vidéo sur la reprise à la salle. Mais bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez passer une bonne journée. J'espère qu'ils vont me recontacter pour me dire que je suis pris. Même si je m'en fous un peu. Mais bon, on verra bien. Allez, peace.